Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, le Togo se dote de soupapes de sécurité contre les eaux de ballast et sédiments des navires. Les députés viennent de ratifier la convention de Londres pour le contrôle et la gestion de ces risques. Un vote qui intervient au lendemain de l'augmentation des capacités d'accueil du port autonome de Lomé. En clair, halte à toute pollution dans les eaux territoriales togolaises. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto en réponse aux difficultés des immigrants. La structure a été lancée, vous le savez, hier et tente de réglementer la profession. En quoi exactement? Les explications tout à l'heure de Carmel Madje Akako. Enfin, l'Union africaine assouplit sa position au Burkina Faso dans le processus de transition. Plus d'ultimatum pour les militaires de remettre le pouvoir aux civils sous 15 jours. Il faut y aller pas à pas et plutôt raisonnablement, semble désormais dire l'organisation africaine. Voilà, madame, monsieur, le sommet. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Le président de la République Faure et Swaziland Yassingbé s'est envolé depuis ce matin pour Ouagadougou au Burkina Faso. Et c'est pour aider au règlement de la crise burkinabé. Une mission de médiation effectuée au nom de la CEDEAO. Le chef de l'État Faure Yassingbé, accompagné de son homologue sénégalais Macky Sall, ont eu à prendre connaissance du projet de charte de transition et des contributions des acteurs pour faire éventuellement des propositions. Les deux hauts dirigeants s'emploient à faciliter le processus de transition dans ce pays. Reprendre ou ne pas reprendre ses vols à destination de Conakry, Askaï s'interroge. Le directeur général de la compagnie a discuté des solutions possibles avec le chef de l'État. C'était ce matin à la présidence de la République. La compagnie avait, vous le savez, suspendu ses vols à destination de la Guinée en raison du virus Ebola qui sévit dans ce pays. Les précisions micro de Ramdan Bassina. The President of the Republic has encouraged us and il nous a soutenu, encouragé, et grâce à cela, Askaï va bientôt reprendre ses vols à destination de la Guinée-Conakry. Voilà, c'était donc l'audience ce matin à la présidence de la République. De son côté, RTM Célia Godier-Mezoulou, le premier ministre, a conféré avec les premiers responsables de l'université de Lomé, le président et ses deux vice-présidents, tous récemment nommés à la tête de l'institution. Ils sont allés faire part de leur gratitude au chef du gouvernement. Je vous propose d'écouter le professeur Bouyasso ressortir de cette audience des propos recueillis par Charlotte Moussimé. Je suis accompagné des deux vice-présidents de l'Université de Lomé. Et comme vous le savez, nous avons été placés à la tête de l'Université de Lomé il y a quelques semaines. Donc il était de bon ton que nous puissions passer voir les autorités et les remercier de la confiance qui est placée à nous et faire le point rapidement sur la situation qui prévaut sur le campus, surtout que nous sommes déjà en période de rentrée universitaire. Donc le premier nous a rassuré de son soutien et faire en sorte que l'année se déroule dans de bonnes conditions, que les étudiants soient à l'aise, que le personnel enseignant comme personnel de soutien soit également à l'aise, pour que le campus soit en paix. La rentrée a déjà eu lieu, et nous sommes dans les premiers jours de la rentrée, avec les petits problèmes que ça amène, mais on essaie au fur et à mesure de les régler, et on espère que tout sera en ordre. Et l'audience du premier ministre ce matin donc à la primature. Nous l'annoncions en titre, le Togo protège ses eaux territoriales de toute souillure d'eau, de ballast et de sédiments, de navires. Les députés viennent de ratifier la Convention internationale de Londres. En ce sens, le vote a eu lieu ce mardi à l'unanimité lors de la plénière présidée ce matin par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Meymounatou. Le compte-rendu de séance de Douaré, Arnaud Kidou. Le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale de Londres adoptée porte sur la pollution marine provoquée par les eaux de ballast qui entrent dans l'équilibre des navires et les sédiments. Sa ratification permet à l'État de se conformer aux normes de l'Organisation maritime internationale, ce qui lui permettra de bénéficier de l'assistance technique de cette organisation pour protéger ses eaux territoriales contre ces rejets nuisibles sur l'environnement et la santé humaine. Le vote de cette convention vient à son heure et servira d'aiguillon aux autorités maritimes et portuaires pour tout mettre en œuvre en vue de doter le port autonome de Lomé d'installations de traitement des eaux de ballast dans les zones maritimes sous juridiction togolaise. La ratification de cette convention est aussi
un signe que le Togo joue sa partition dans la lutte mondiale contre les espèces nuisibles à notre écosystème. Cette convention internationale fait obligation aux États signataires de prendre des mesures idoines pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Je voudrais saluer l'engagement pris par notre pays d'honorer le délai proposé aux nations du monde pour assurer l'intégration de cette convention dans leur ordonnancement juridique. Je me réjouis de la portée de ce acte salutaire que nous venons de poser et qui répond aux préoccupations exprimées par l'Organisation maritime internationale. Ces préoccupations qui visent la protection de l'environnement dans un contexte novateur permettent d'éviter les introductions nuisibles de plusieurs milliards de mètres cubes d'eau de mer, saumâtre ou d'eau douce transportées chaque année d'une partie du monde à l'autre. Une décision prise par le gouvernement qui vise la protection de l'environnement marin eu égard à l'augmentation du trafic maritime au port autonome de Lomé, constaté ces derniers jours en raison de la modernité des infrastructures portuaires et aussi de la sécurité qui prévaut sur les côtes togolaises. Les députés qui se réunissent à nouveau jeudi prochain, ce sera leur 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année, selon ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Une ratification qui intervient, donc vous l'avez entendu tout à l'heure, au lendemain de l'augmentation des capacités d'accueil du port autonome de Lomé, est véritable moteur de croissance pour l'économie togolaise. Elle réalise justement des performances à l'instar des économies des pays de l'Afrique subsaharienne. Un rapport rendu public ce mardi par le FMI, le Fonds monétaire international, place donc la région en bonne posture avec une moyenne de 5,8% de taux de croissance. Comment maintenir le cap et attirer plus d'investissements? C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Rachel Aoukou, Christine Pétier-Kialoudé. Après l'analyse du contexte international et des perspectives économiques en Afrique subsaharienne, il ressort que la sous-région est sur un cap de croissance élevé. Malgré quelques incertitudes, notamment les crises sociales et l'épidémie Ebola, l'Afrique subsaharienne reste la deuxième zone au monde après les pays émergents d'Asie, selon le rapport du FMI, Fonds monétaire international. Ce qu'on peut retenir, c'est que le contexte international devient certes plus difficile, mais que l'Afrique a des grands atouts pour avoir une croissance 2015 qui est à peu près au même niveau de 2014, c'est-à-dire pour l'Afrique dans son intégrité, ça va être autour de 5,75, donc 5,75% en 2015. Le Togo s'inscrit pleinement dans cette dynamique et a de très bonnes chances de faire encore mieux si des efforts se poursuivent. L'effort, il est double. Faire bénéficier le plus grand nombre possible de cette croissance importante, mais aussi équilibrer les trois secteurs de nos économies, primaire, secondaire, tertiaire, de sorte que le secteur secondaire, qui est le secteur industriel, le secteur créateur d'emplois par essence, puisse être beaucoup plus important et donc que cette croissance puisse se refléter au quotidien dans le niveau de vie des populations. Au titre des recommandations, il faut pour tous les pays rééquilibrer les finances publiques là où les déficits des comptes macroéconomiques ont atteint leurs limites, renforcer la croissance et la rendre durable et plus inclusive pour la majeure partie des pays de la région. Et en ce qui concerne précisément les efforts pour maintenir le cap, poursuivre la croissance, eh bien, il y a cette volonté de structurer, par exemple, le secteur informel. Hier, à Takpabé, il vous souvient, la mutuelle des conducteurs de taxis moto a été lancée pour mieux organiser ce secteur d'activité. Rappel des faits, Aimé Abalo. C'est par cette remise symbolique de moto que le Premier ministre togolais a lancé officiellement lundi la mutuelle destinée à offrir une couverture sociale aux conducteurs de taxi-moto. Le secteur souffrait jusque-là d'un manque d'organisation et de perspectives pouvant permettre aux conducteurs de sortir de l'informel et de la précarité. La MUCTAM est alors conçue avec un slogan qui, à première vue, lève le voile sur le bien fondé du projet « Faire d'un Zémidjan un entrepreneur ». La phase pilote prend en compte 3 000 adhérents
avec 1 000 000 de motos à remettre aux conducteurs les plus dévoués aux clauses de la mutuelle. Au nom de tous les conducteurs de taxi-moto du Togo, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour exprimer ma profonde gratitude pour l'attention particulière que le chef de l'État et son gouvernement témoignent à l'égard des acteurs du secteur informel et plus particulièrement aux émigrants que nous sommes. Nous avons toujours eu l'impression d'être abandonnés, que notre métier de conducteur de taxi-moto oublié et ne pouvait jamais faire objet de préoccupation de la part du gouvernement. Aujourd'hui, ce dernier vient de nous prouver le contraire, à savoir que la situation des émigrants était au cœur des préoccupations des autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour mûrir des idées, trouver des solutions qui se traduisent par la création de cette mutuelle. En effet, aucune catégorie de citoyens n'est mise en marge de la politique sociale du gouvernement. Chaque Togolais, selon le Premier ministre Artem Aoumezounou, mérite l'attention des autorités, les émigrants y compris, pour permettre à chacun de travailler et contribuer au développement du pays. Dans les villes comme dans les villages, les taxis-motos sont souvent le moyen le plus pratique pour arriver rapidement à destination. Mais un métier difficile, nous en avons vraiment conscience. Nous sommes donc ici pour que vous sachiez que nous vous soutenons et sommes de votre côté, que nous sommes sensibles à vos difficultés et que nous sommes déterminés à vous accompagner pour que vos conditions de vie et de travail s'améliorent et enfin que vous soyez mieux protégés en cas d'accident. Vous savez aussi certainement que le lancement de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto n'est pas un acte isolé. Ces dernières années, notre priorité a été de prendre en compte la situation des plus vulnérables et des plus modestes d'entre nous. Nous nous mobilisons donc pour que chaque Togolais ait sa chance, quelle que soit sa condition. Grâce à l'accompagnement de la délégation à l'organisation du secteur informel, l'activité taxi-moto devient donc plus valorisée en permettant aux conducteurs d'être en règle avec l'administration. Le programme est quinquennal. Il offre aux bénéficiaires l'opportunité de sécuriser leurs revenus, d'accéder aux soins médicaux, d'améliorer leurs conditions de vie et de préparer leur retraite. Et les évidents, plus qu'une moto et un conducteur assurant le transport de passagers, eh bien, c'est une profession aujourd'hui. Et comme dans toute profession, il y a là aussi des difficultés, d'énormes difficultés, tant sur le plan social que dans l'exercice de la fonction. Que préconise alors la jeune mutuelle des conducteurs de taxi moto comme solution, comme panacée? Le MUCTAM comme réponse aux difficultés des évidents, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Carmen Madjiakapou. Communément appelé Zemidjan, le taxi-moto est apparu au Togo dans les années 90. Le secteur emploie environ 5 051 personnes, lesquelles subviennent aux besoins de 21 503 femmes et enfants. Un métier qui n'est pas sans difficulté. C'est très difficile, parce que la moto ne t'appartient pas. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Sous le soleil, nous sommes là, sous la pluie, et nous sommes toujours menacés par nos propriétaires de moto en cas de non-respect des contrats qu'on a signés. Selon un rapport de l'UMOA, le revenu annuel du conducteur de taxi-moto va essentiellement au propriétaire de la moto, aux réparateurs, aux vendeurs de carburant et de pièces détachées. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto MUCTAM vient justement résoudre ces problèmes pour non seulement accroître la contribution de ce secteur d'activité au PIB, mais aussi améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, on a la protection sociale avec une assurance maladie qui couvre 80% des frais médicaux pour les conducteurs. Et nous avons l'assurance et une assurance retraite pour eux, parce qu'on ne peut pas faire ce métier éternellement. Nous avons une garantie accident qui couvre et le remorqué et le conducteur. Et nous avons aujourd'hui, entre autres, un produit qui couvre aussi les cas d'invalidité. Il y a le second produit qui est l'acquisition d'une moto. Le dernier produit qui est en cours d'élaboration, c'est la reconversion professionnelle. L'enjeu consiste à ériger progressivement des remparts contre la vulnérabilité de ce type d'emploi en créant les conditions d'une sécurité juridique et économique accrue et en introduisant dans le secteur des conducteurs de taxi-moto les prémices de la couverture sociale universelle.
Il est 20h15, l'actualité c'est aussi cette exigence de la HAC traduite dans son acte réglementaire du 27 mars dernier, l'accès équitable des médias d'État, l'accès équitable aux médias d'État de tous les partis politiques, associations et syndicats pour être sûr que cet acte réglementaire est bien compris de tous et fera objet de stricte application. Eh bien, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication convie les professionnels des médias à une rencontre depuis ce matin. Les précisions de Ali Danjouban et Edem Soussoupo. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication veut amener les médias officiels à exercer davantage leur mission d'utilité publique, ce qui passe par un accès équitable aux médias publics à tous pour une participation inclusive aux affaires de la cité. Les professionnels des médias officiels mènent ici une réflexion sur l'arrêté numéro 002/AC/14/2014 portant accès des partis politiques, des associations et des institutions de la République aux médias officiels, un mécanisme de répartition de l'utilisation de ces médias par tous les groupes sociaux politiques au Togo. Vous allez voir que eh bien, le gouvernement communique tout le temps, quand il y a conseil des ministres et quand il y a ceci, le gouvernement communique. Donc, il va falloir que, effectivement aussi, les médias officiels puissent donner la parole à tout le monde, à toutes les couches sociales, pour que ces couches sociales expriment effectivement leur point de vue et qu'on puisse en tenir compte. Lorsque vous allez aux élections législatives, vous avez des accès équitables. Hein? Parce que c'est compte tenu de votre poids que l'on vous juge ou que l'on vous donne la parole. Donc c'est une question de représentativité en ce moment. Mais ici, vous avez l'accès équitable qui peut se mesurer peut-être au moment des présidentielles comme un accès égalitaire. En période ordinaire où il n'y a pas d'enjeu électoral, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut, à cette période-là, justement, faire en sorte que les organes officiels, les médias officiels, puissent s'ouvrir à tout le monde. Le PNUD et le ACDH accompagnent l'institution de régulation dans son processus de promotion du pluralisme, de la diversité et de l'accès équitable aux médias officiels. C'est pour mettre donc au finish un accent sur le professionnalisme des médias à travers le respect des droits des citoyens à bénéficier d'un service public non partisan. Autre rencontre à signaler, celle de l'équipe régionale de management de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En toile de fond, les enjeux majeurs du développement qui se posent aux nations face à la croissance galopante de la population en Afrique. Les explications de Apollinaire Katanga. Les Africains sont de plus en plus confrontés à de multiples enjeux liés à la question de la croissance démographique accélérée avec une forte proportion de jeunes. Les gouvernants sont alors invités à développer des programmes d'action efficaces afin d'assurer un véritable progrès durable pour tous. La réunion de l'équipe régionale de management du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour objectif de se pencher sur ces questions pertinentes qui mettent l'homme au cœur de toute action de développement. Deux fois par an, nous réunissons tous les représentants résidents pour que nous puissions nous asseoir ensemble et discuter de la mise en œuvre de nos programmes, comment nous servons la population, mais surtout mesurer la performance, notre propre performance, et voir les défis et mettre en place un mécanisme d'appui mutuel. Le choix du Togo pour abriter la deuxième réunion annuelle de l'UNFPA traduit en substance les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Votre réunion de lobby doit vous permettre d'approfondir la réflexion sur les stratégies les mieux adaptées pour orienter les programmes pays, non seulement sur le plan stratégique 2014-2017 de l'UNFPA, mais aussi et surtout sur les plans de développement nationaux des États au niveau de nos deux régions. Ces trois jours de réflexion de haut niveau des représentants de l'UNFPA venus des 23 pays africains membres vont jeter les bases des actions futures de l'organisation en termes de perspectives pour les populations africaines.
Et sachez par ailleurs que Lomé abrite également, depuis ce matin, une rencontre régionale d'évaluation du processus action sur le front. Il s'agit précisément ici de réduction des catastrophes en clair. Nous parlons d'environnement. Carmen Madiakapo. Des milliers de personnes périssent chaque année dans des catastrophes provoquées par les aléas climatiques. Pour donc lutter efficacement et réduire ces risques, 168 États et gouvernements ont pris un engagement en 2005 dans le cadre d'action de IOGO pour la période 2005-2015. 4 jours donc pour ces membres du réseau mondial des organisations de la société civile de 10 pays africains de réfléchir sur les stratégies à adopter pour protéger les populations, surtout les plus vulnérables, en cas de catastrophe. Nous avons différentes thématiques. Donc, nous allons aborder la question d'abord de la vie du réseau lui-même, puisqu'il s'agit d'un réseau, en effet. Nous allons également travailler sur évaluer un des processus que nous avons déjà entamé et que nous allons continuer. Donc, nous allons l'évaluer à mi-parcours et lancer de nouvelles perspectives pour le réseau. La prévention des risques coûte sensiblement moins que la réponse. Pour le gouvernement togolais, il est nécessaire pour les pays économiquement faibles de privilégier la démarche préventive. Le réseau GNDR a cherché à accroître l'efficacité du rôle de la société civile, à contribuer à la construction des nations et communautés plus résilientes et à mettre les préoccupations, les besoins et les priorités des personnes vulnérables au cœur de la politique de réduction des risques de catastrophe et dans la pratique. Cette rencontre de Lomé permettra d'élaborer un plaidoyer pour les prochaines assises appelées à définir un nouveau cadre d'action de réduction des risques de catastrophe. Impliquer plus les jeunes, filles et garçons dans la promotion de la démocratie, nouveau chantier du GF2D et le groupe de réflexion et d'action, Femmes, démocratie et développement, réunit près de 300 jeunes depuis ce matin. Et c'est pour justement leur inculquer cette faculté. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. De son côté, le Japon apporte son soutien au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Et la mission, c'est précisément de former et d'entraîner les troupes togolaises. Le Togo, vous le savez, est présent dans la sous-région et ailleurs pour des opérations de maintien de paix, comme vous pouvez le dire. En charge de former, d'entraîner et de déployer les militaires togolais dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, le centre d'entraînement de Lomé fait de plus en plus ses preuves. Déjà, 7000 soldats togolais se font remarquer à travers leurs prestations. Une montée en puissance donc du CEMP, encouragé par le Japon, qui souhaite que ce centre soit régional, spécialisé dans la mise en condition opérationnelle des contingents de la sous-région. Le Japon décide désormais d'aider le dit centre à renforcer ses capacités institutionnelles et techniques. Un sentiment de joie pour les forces armées togolaises, parce que notre centre est en train de monter en puissance. Et nous apprécions hautement l'apport du Japon, qui va nous aider dans ce sens à continuer la formation de nos militaires qui sont déployés sur les différents théâtres d'opération en Afrique. Ce projet d'appui financé par le Japon sera exécuté par le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Selon les FAT, 2 bus de 110 places seront réceptionnés dans les tout prochains jours. Un appui qui s'inscrit dans ce projet soutenu par le Japon. Et la paix, malheureusement, troublée au Nigeria par la mort de près de 50 lycéens. Ils ont péri dans l'attaque suicide dirigée contre leur établissement à Potiskum. Et c'est dans ce climat que Goodluck Jonathan, le président nigérien, annonce, lui, sa candidature pour un second mandat. Une cour d'école transformée en champ de bataille. À Potiskum, dans l'extrême nord-est du Nigeria, au moins 48 adolescents ont été tués dans un attentat contre leur lycée lundi matin. Le kamikaze était déguisé en élève et avait caché ses explosifs dans un sac à dos. Je suis très triste parce que c'est vraiment inhumain. Ces actions de ces gens n'ont rien à voir avec nous et avec la religion. Il y a aussi 80 lycéens blessés, au moins. Ce nouvel attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se portent sur les islamistes de Boko Haram. Les Nations Unies ont vivement condamné cette attaque.
Le secrétaire général est indigné par la fréquence et la brutalité des attaques contre les écoles du nord du pays. Il exige une cessation immédiate de ces crimes abominables et demande que les auteurs soient rapidement traduits en justice. Boko Haram, qui a enlevé et retient toujours plus de 200 lycéennes, continue de cibler les établissements scolaires, estimant que le savoir occidental est à bannir. Dans une vidéo de propagande mise au jour il y a 48 heures, des membres de Boko Haram paradent dans une localité nigériane. Leur leader, Aboubakar Shekau, revendique de nouveau le recours à la violence. Dans ce contexte d'insécurité... Bien, on en vient maintenant au Burkina Faso. Nous évoquions le sujet en début de journal. Et la médiation se poursuit donc sur place au Burkina face aux médiations de la CEDEAO, mais aussi de l'Union africaine, l'organisation africaine qui a assoupli d'ailleurs sa position dans cette crise au Burkina Faso. Dernier jour, l'Union africaine revoit sa copie. Plus de pression, plus d'ultimatum, mais une mission tout en finesse pour le président en exercice. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Ils sont venus pour participer à la solution. La solution viendra des Burkinabés. Au programme donc, une réunion avec tous les Burkinabés, militaires, religieux, opposition et société civile, et un rappel sur l'importance d'accélérer la transition. Il n'y a pas d'ultimatum. L'Union africaine a voulu tout simplement aider le processus. S'il n'y avait pas cela, on pourrait rester un an, deux ans dans l'immobilisme le plus total. Avancer, oui, mais sur de bonnes bases, comme le rappelle l'opposition, qui fait passer à son tour un message clair à l'Union africaine. Il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine, les textes soient revus pour incorporer dans la charte de l'Union africaine l'obligation pour les chefs d'État de respecter leur constitution et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de deux mandats pour chaque chef d'État qui viendrait à arriver au pouvoir. En attendant le président Abdelaziz pour repartir tranquille, toutes les parties sont tombées d'accord sur la charte de transition, le document qui définira en détail la marche à suivre. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'histoire revisitée en ce 11 novembre, 96e anniversaire de l'armistice qui a mis fin, vous le savez, à la Première Guerre mondiale, ici au Togo, au cimetière militaire de Kra, à Ouarala, dans le Haro. L'histoire a été racontée avec notamment cette bataille du 20 août 1914 à Kamina. C'est au mémorial qui raconte désormais cette histoire, mémorial inauguré ce jour. Le récit de Augustin Kossi avec la voix de Yves Dobé. Cimetière militaire de Kra, lieu de la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale au Togo. C'était le 22 août 1914, une guerre qui a connu la victoire des Alliés sur le bloc allemand. C'est suite à l'armistice signé le 11 novembre 1918, un acte constitutif qui a marqué la fin de tous les combats. Des panneaux pédagogiques et un mémorial sont inaugurés en mémoire des combattants tombés ce jour-là. C'est pour nous un lieu emblématique. Et nous nous devions cette année, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, de faire un geste symbolique vers tous ces gens, tous ces jeunes soldats qui ont versé le sang pour la liberté. Puis, devant les tombes entièrement rénovées des 3 Européens et des 21 Africains, ils se sont recueillis Français, Britanniques, Américains et Allemands. Devoir de mémoire oblige. Je crois qu'il faut bien se souvenir des guerres, même si aujourd'hui on n'est plus en guerre de la même manière. Il y a plein de conflits dans le monde, il y a plein de tensions qui peuvent malheureusement déraper et devenir très graves. Si on peut vivre libre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les guerres et il ne faut plus qu'il y en ait pour qu'on puisse continuer justement à vivre en paix. Cette guerre mondiale avait fait plus de 8 millions de morts, des invalides et des mutilés à travers le monde. À cette journée commémorative, une prière œcuménique a été dite en fait d'implorer la paix sur les différents pays.
Voilà un reportage de Augustin Cossy avec la voix de Sylvain Aboudou. Une autre histoire racontée dimanche dernier à Thiéville-la-Ville célébrait le centenaire de son église Saint-Jean, apôtre donc de Thiéville, un jubilé d'eau marqué notamment par une grande messe dite par l'archevêque du Togo, Monseigneur Dédi Amosou Djakba, Florence Goupassé, Antoinette Roman Bavard. Action de grâce en ce jour où l'église chrétienne catholique Saint-Jean apôtre de Thiéville commémore son jubilé d'eau. Pour ce centenaire, fidèles et natifs de la localité ont uni leur voix à celle de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amosou Djakba, pour témoigner leur gratitude et reconnaissance à l'Éternel. Pour la circonstance, le peuple de Dieu a été nourri par la parole de Dieu tirée de Saint Jean au chapitre 2, versets 13 à 22. Chacun de nous doit retourner aux sources de sa foi, que cette célébration de cette centenaire nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de dons de Dieu et beaucoup de paix pour notre pays, le Togo. Ce parcours a été rendu possible grâce à l'œuvre des fidèles chrétiens qui, depuis toujours, se sont dévoués pour la bonne cause de la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Thiéville. Tous ont réitéré leur volonté à faire preuve de plus d'engagement pour donner encore plus de rayonnement à leur paroisse. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avant de refermer cette édition, certains individus montent divers scénarios pour anarcher des opérateurs économiques et d'honnêtes citoyens à qui ils offrent leurs services. Après l'escroquerie par les œufs de perroquet et la sève de moringa, la dernière forme d'anarchie qui sévit actuellement est celle de sinistres individus qui, se faisant passer pour des vendeurs ambulants de parfums, soumettent leurs produits à l'appréciation de potentiels candidats. Il s'agit en réalité d'un produit chimique dénommé chloroforme qui rend apathique et insensible toute personne qui tente d'en vérifier la qualité par inhalation. La victime, devenue ainsi inconsciente, se trouve livrée à toutes sortes d'abus, tant sur tant de son corps que de ses biens. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte l'ensemble de la population à demeurer extrêmement vigilante devant cette ingéniosité et plus que criminelle de ces individus dont le seul objectif est de gruger d'honnêtes citoyens. Fin de cette édition. Je rappelle que le président Faure Gnassingbé a effectué donc le déplacement ce mardi de Ouagadougou, une mission de médiation de la CEDEAO aux côtés de son homologue sénégalais Macky Sall. Le Burkina Faso, vous le savez, après le départ de Blaise Compaoré, est en train d'organiser une transition devant déboucher sur des élections au bout d'un an. Nos programmes ce soir sur la télévision togolaise, la météo, rendez-vous tout à l'heure avec Cléo Sabine Poco. Autre rendez-vous à suivre tout à l'heure à 20h50, le journal de l'économie. Et ce soir, le journal de l'économie reviendra donc sur les différents programmes de développement exécutés au Togo, des plans quinquennaux au DSRP en vigueur aujourd'hui, les insuffisances et les avantages. 21h15, le magazine Santé d'abord avec Harold Péto à Fanguedi, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Fania au Togo et à Douanza au Mali sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.